Yo les boys, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour l'épisode 10 de Ark Survival Evolved. Et les gars, dans le 9e épisode, on avait construit ce magnifique jardin les gars, regardez-moi ça. Alors ça a un peu poussé, je sais pas du tout si il y a... Ah bah si, il y a des bécons poussés les gars. Là il n'y a plus du tout d'engrais, je croyais qu'il y avait encore des graines mais non. Alors ici j'avais déjà regardé, ouais il y a des graines, ah il en reste une. Mais il y a bel et bien des méjobérés, donc ça fonctionne très très bien. Alors je n'ai pas encore regardé comment avoir les légumes et tout, mais bien sûr ça sera dans un autre épisode. Et aussi les gars bien sûr je regarderai comment faire les kibbles des petits dodos dans le prochain épisode. Alors les gars, dans cet épisode comme vous avez devant la miniature, on va aller à la découverte les gars d'une île très spéciale, parce qu'il s'agit d'une île avec que des carnivores. Quand je dis que des carnivores, c'est qu'il y a vraiment que des carnivores. Alors je sais qu'il y a des carnotosaures, il y a des T-Rex, il y a des allosaures, non je suis pas trop sûr, mais je crois qu'il y a des raptors, il y a des scorpions géants, il y a des argentavis, il y a des mégalodons, enfin vraiment il y a tous les gars pour crever. Mais bien sûr on va pas aller là-bas pour crever, sinon c'est un peu bête. Bien sûr les gars, si on va là-bas c'est pour essayer de tam, je dis bien essayer, parce que je sais pas du tout si on va perdre mon argent à vie, hein, parce que j'ai pas envie de perdre le Phoenix 2.0 quoi. Parce que là-bas je pense que ça va vraiment être la guerre. J'espère qu'il y aura un petit endroit pour se poser. Mais franchement ça serait très très cool de tam un carno, un raptor, une armée de raptors, ou je sais pas, un T-Rex, ça serait vraiment très très cool les gars. En plus de ça, on aura exploré une bonne partie, parce que quand on regarde la map, les gars, l'île, elle est juste devant moi. Vous voyez là, le petit moi. Et bah, l'île, elle est tout là-bas, au bout de la carte. Ça va faire énormément d'endroits à visiter, bien sûr, les gars. Donc, j'ai vraiment hâte d'aller à cette petite exploration sur cette île qui a l'air très dangereuse, bien sûr. Alors, je me suis préparé, bien sûr, au tam. J'ai fait énormément de flèches, comme vous pouvez le voir. Alors, je sais pas pourquoi ça stack, mais j'en ai fait 170. J'espère qu'on aura assez. En plus, j'ai fait pas mal de bouffe. J'ai fait cuire la dernière fois le fer, les gars. Comme vous voyez, j'ai énormément de fer. Donc, pour les prochains trucs, bah, même tout de suite en fait. Parce que je raconte, on va peut-être pouvoir se faire des nouveaux outils. On va récupérer tout de suite tout le métal. Alors, gouré, je crois. Non, je suis pas gouré. Voilà, en plus, là, on en a masse. Oh là, on en a au moins 500. Par contre, on va tout éteindre parce que ça fait un peu de bruit. Voilà, nickel. On va mettre le petit métal. En plus, on est déjà énormément du métal. C'est abusé. Alors, on va aller dans armes communes. Ouais, ça. Ah, bah non, ça, on l'a pas fait, ça. Bah, attends, on va le faire direct, les gars. Let's go. Alors, il nous faut un peu de peau. On va la prendre juste ici. Ça va, j'en ai encore. Alors, par contre, il me faut du bois. Parce que. Ouais, bah oui. C'est un peu la hesse niveau bois. Bon, j'ai mis tout le bois ici. Comme vous voyez, j'en ai un petit gros stack, on va dire. Pas très français, mais c'est pas grave. Ah mince, je peux plus mettre dedans. Bon, on va faire ça, tac. Je rangerai bien sûr avant de partir ce que j'ai dans l'inventaire. Mince, pourquoi je l'aurais éteint? Je suis un peu débile, moi. Ok, on va aller mettre le bois à l'intérieur. Je vais le laisser dedans parce que ça peut servir pour les autres crafts. Alors voilà, nickel, une petite épée. Ça, ça va franchement être cool. Alors je pense qu'on va enlever la lance, parce que la lance en métal, si vous ne saviez pas, on peut pas la lancer comme une lance normale. Bah, c'est comme une arme mêlée un peu. C'est pour ça que je vais un peu la changer contre l'épée, parce que je pense que l'épée fait le plus de dégâts. Je vérifie bien. Dégâts, bah, écrit 100%. Ah oui, parce qu'il y a la rareté aussi. Mais je pense quoi, ça doit faire pas mal de dégâts. Tous les cas, on va tester, bien sûr, tous les nouveaux trucs qu'on peut craft. Hein, sinon, ça sert un peu à rien. Aussi, on a les accessoires. Bon, ça ne servait à rien, parce qu'on a toujours pas d'arme à feu. Mais je peux faire une arme à feu. Alors, je pense que le fusil à canon, ça va être le meilleur pour les tames, je pense. Parce que le revolver, ça m'étonnerait. Ah bah oui, parce qu'il faut les petites balles. Là, on a le petit signe avec les balles. Donc, ouais, j'avais vu que fallait ces balles-là pour après faire des balles tranquillisantes. Après on a les ciseaux. Alors ça c'est pour faire des coupes. Bon, on s'en fiche un peu. Après on a des explosifs, pièces explosives improvisées. Ah ouais, il y a vraiment des trucs d'art à faire. Après on a les munitions, comme je vous ai dit. On a les, bien sûr, les flèches tranquillisantes. Et là on a une flèche tranquillisante. Attends, mais il y a une lance comme ça. Enfin je pense pas qu'on peut la lancer, mais genre on peut mettre des coups. Ah non, c'est un truc de harpon. Ah mais c'est pour tam dans l'eau. Ok, après ça coûte une flèche. Ah ouais, ça... wow, tout ce que ça coûte. Ça coûte quoi? De la poudre à canon. Ah ouais, c'est carrément chaud en fait. Là on peut faire une lance. Je vais tomber vos ennemis de l'eau. Bon, ça c'est pas ça va grand chose, qu'il n'y a pas d'autres joueurs. Et là on a le petit harpon polymère. Jamais vu ça de ma vie. Bon, le bouclier. Enfin un bouclier. Bizarre, il y a pas de... je croyais qu'il y a un bouclier. Non, mais pas fou, j'ai vu un bouclier dans le jeu. C'est sûr, il y a un bouclier. Bon, je sais pas où c'est, mais normalement il y a un bouclier. Bon, on verra ça bien sûr les gars plus tard, hein, dans un autre épisode. Pour l'instant, je veux découvrir l'île. J'ai
absolument envie d'y aller. En plus, il fait nuit. Ouais, ça commence bien. Hein. Bon, les gars, je vais prendre Phoenix pour ce voyage, bien sûr. On va mettre des petits points. On va lui en mettre dans l'énergie quand même. En plus, il a de la boue. Bon, je vais lui mettre ça. J'ai dit que j'allais le ranger, mais finalement, c'est pas très grave. Voilà, nickel. On va prendre petit Phoenix. Je vais vous mettre la petite luminosité. Comme ça, vous voyez très très bien. Je vais peut-être même l'augmenter un peu. Un tout petit peu. Bon, après, vous allez voir un peu bizarre. Voilà, nickel. Ok, tac. Et là, zbim. On voit un peu mieux. Ok, les gars, c'est parti. J'espère que c'est bien l'île que j'ai dit. Hein. De toute façon, normalement, c'est obligé que ça soit là-bas parce que l'île est plus grande que celle d'en bas. Donc, ouais, c'est ça. C'est le repère, je me suis dit, pour pas me tromper. Alors, je sais pas où. Ouais, on va partir en ligne droite comme ça. En vrai, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, ici, on est déjà passé. Donc, ça va. Bon, bon, les gars, pour ceux qui ont regardé les premiers épisodes, vous savez que dans cette zone là-bas, on a fait peut-être une mauvaise rencontre quand j'ai voulu ta montrer ça à top, ça. Hein. Il y avait quand même un petit spino, les gars. Bon, je vous spoil, mais je pense que la plupart ont déjà regardé les premiers épisodes. Mais franchement, j'ai vraiment aussi envie de le tam. Bon, c'est pas très français, mais j'ai vraiment envie de le tam, ce petit spino, parce qu'il était vraiment très, très beau. Bon, je pense qu'il est plus là. Il doit être parti par là-bas. Au petit lac, c'est pas grave. Mais je pense qu'il doit être parti par là-bas. Vraiment très loin par là-bas ou par là-bas. Donc, je pense que ça va être compliqué de le retrouver. Alors, aussi, on a là... petite sol spéciale comme ça qui est franchement très utile. Donc voilà, on va l'activer pour voir les dinos qu'on pourrait tam en route. En vrai, ce serait pas mal aussi, hein, de retam des dinos qui sont bas level. Je crois qu'il y a, bah oui, il y a quoi qui est bas level? Il y a le castor. Bon, les castors ici, on peut en avoir. Ah, mais si, en fait, ici on peut en avoir des castors. On va faire un petit tour alors. On va faire un petit tour là-bas. Aussi, il fait le petit bocal, ça c'est cool. Oula. En plus, on peut prendre deux fois, ça c'est nickel. Oh, par contre, il se fait... Ah non, c'est un fioma. C'est pas un castor. Ah, là, il y a des castors. Niveau 16. Niveau 16. Niveau 16. Ok, sur tous les deux niveau 16. La chance, quoi, qu'ils soient dans le même niveau. Niveau 28. Bon, c'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. Bon, c'est pas très très grave. C'est pas urgent, bien sûr. On a des petits. Ouah, niveau 76. 60... Ah, ils ont quand même des niveaux pas mal, hein. Mais bon, c'est pas l'objectif de l'épisode, bien sûr. Je pense que sur l'île des carnivores, je pense qu'on peut trouver quand même des dinos assez balèzes. Enfin, j'espère, hein, parce que c'est quand même l'île. Oui, là-bas, il y a tous les fights, quoi. Donc, il devrait quand même avoir des bons bagarreurs, quoi. Ouais, il m'a fait peur, le... C'est le Fioma qui fait ça. Il m'a fait trop peur. Là, elle fait un... Je sais pas quoi. C'était bizarre. Faut pas que je me trompe de chemin, parce que si je dévie, ça va un peu servir à rien. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je disais? Je dévie. J'ai pas dans le bon sens. Alors ici, ouais, je suis déjà passé avec le sarco quand j'ai voulu farm. Ouais, c'est pas... Ça change pas beaucoup, mais par ici, jamais y aller. J'espère découvrir des nouveaux dinos, ça serait très très sympa. Surtout ces trucs-là, j'avais jamais vu de ma vie. Là, les Paraceratherium, vraiment stylé. On dirait vraiment des genres de girafes un peu. Très très cool. Oh, il y a un petit... Ah oui, les petits dimorphodons aussi. Ça, on peut les tamer, genre les mettre sur notre épaule. C'est pas du tout, les gars. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous savez ou pas si les dimorphodons, bien sûr, on peut les tamer, bien sûr, les mettre sur l'épaule. Ce serait peut-être très très en avoir un, parce que j'ai vu qu'il y en a qui donnaient, je sais pas, plus de chaud. Enfin, t'avais moins froid, quoi. Oh, il y a le Tapajara, niveau 12. Oh, les gars, je me rappelle. Je suis à mort. Regarde comment il cavale. Oh, c'est carrément des peureux, hein. Bon, je vais éviter d'aller dans la forêt là, parce qu'on m'a déconseillé. Parce qu'il y a des tigres qui s'agrippent aux arbres. Enfin, c'est pas vraiment des tigres, mais ça ressemble à des tigres. En fait, ils s'agrippent aux arbres et ils attendent que tu passes et ils te sautent dessus. Que voilà, c'est pas ouf. Oh, ici, il y a ultra. Bah oui, il y a ultra. Il y a vraiment beaucoup de ruches. Il y en a 3 à l'arbre là. Ça va pas nous servir à grand chose. C'est pas du tout à quoi ça sert. Ah ouais, aussi, il y a les baryoniques. Ça, c'est vénère. Puis aussi, il y a les. Ah bah non, j'ai pas réussi à le mettre. Bon, vous voyez de ce que je veux dire. Les autres, à part les sarcos, là, la deuxième sorte de crocodile, là, qui te saute dessus, eux, ils sont méga vénères. C'est abusé. Ouah, et ici, c'est stylé, en vrai, genre le petit recoin comme ça, là. Il y a plein de Ptera, là. 12, 14, 16. Le niveau combien, là? 16. Oh, il y a un méga Lozeros. Ouais, si il est les séries. Ouais, les Ozoteurs, wesh, comment ils sautent et tout. Bon, je crois qu'ils sont irrécibles. On va éviter de. Ah, bah oui, on va éviter. Oh, oui, qu'on va éviter. Heureusement, j'ai ça. Heureusement, j'ai ça. Heureusement, j'ai ça. Heureusement, j'ai ça. Qu'est-ce que j'avais dit? Que j'allais mourir un jour ou l'autre. Oh là 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 là. Oh la misère. J'en étais sûr, les gars, un jour, j'allais me faire avoir pas ça. Heureusement, j'ai mes 9 lits. J'en étais sûr. Mais en plus, je croyais que c'était le terreur oiseau qui allait m'avoir. Mais non, c'est ça, les gars, le genre de tic sur les arbres. Oh là là. Oh, j'ai tellement le seum. Bon, je pense que je vous ai le retravier, on va dire. Donc je vous reprends quand je suis là-bas. J'espère que mon argent de vie n'était pas mort. Ok, les gars, je suis arrivé sur le lieu. Il est où? Oh, il se fait attaquer là. Il s'est distait, il s'en branle, frère. Attaque, frérot. Oula. Maintenant, pas bouger. Suivre. Viens là, viens là, viens là. Ah non, mais il est stun, je crois. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, j'espère qu'il a beaucoup de vie. Non, ouah, il s'est rien pris du tout. Ah non, j'arrive pas à voir. Attends, je vous ai bien remis le truc. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il a perdu beaucoup de vie ou pas? Ah ouais, ça va en vrai. Ça va en vrai quand même. Il a vraiment pas mal de vie. Je crois qu'il
qu'il a. Mais où l'autre? Il est parti là, le Tilacoléo. Oh, par contre, ils sont méga vénères. Ça va être chaud de récupérer mon corps. Il y a des trodons. Dis-moi que je peux récupérer mon. Il y a un Carnot. En plus, je peux pas. Waouh, ça va être mission impossible, les gars, là. Ça va être mission impossible, je vous le dis. Hein. Il y a un Carnot. Il y a des trodons. Il y a le tigre. Il y a les terreurs, je sais pas quoi. Oh, le bordel. J'aurais jamais dû passer là. Hein. Je suis vraiment un mongol. Hein. Oh, il y a eux. Là, faudrait que je les dégage. Je sais pas si je peux les prendre, mais. Oh non, toi, dégage. Oh non, il m'empoisonne. J'ai oublié. J'ai oublié qu'il m'empoisonnait. Oh, il y en a deux Carnot. En plus, oh là 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 là, oh toujours plus. Ok, on va essayer de faire mission impossible. Oh non, mais il y a un trodon juste devant. Parce qu'en fait, les trodons ils t'attaquent pas directement. C'est ça le truc qui est bien. Là, il est juste à côté. Ok, cible, je me pose. C'est impossible. C'était impossible. C'était sûr, c'est sûr. C'était sûr. Bon, il y a plus qu'à venir avec le pteranodon. Et j'espère quand même venir rapidement. Hein. Ok, les gars, j'ai réussi. Par contre, je me dépêche parce qu'il y a juste le carnot à côté. Allez, vite, prends ça, toi. Et on se barre de là. J'ai dû ramener. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais. Oh, il m'a fait peur, mon Terra. Il s'est posé, j'ai cru que c'était le Carnot. C'est quoi? Ok, on va récupérer vite l'armure. Bon, je vais tous les ramener à la base. Et puis, je vous reprends quand j'arrive au même endroit, à peu près. Ok, les gars, je suis revenu à peu près au même endroit. Bon, je suis parmi là-bas parce que s'il y a encore le tic bizarre qui revient, il va encore me marabouter. Donc, ouais, on va éviter. On va passer juste là. On va pas refaire la même connerie, les gars. C'est bon, maintenant j'ai compris. Les grands arbres à éviter, hein. Parce que là, c'est bien ce que je me prends. Parce que là, je me suis pris, c'était méga violent, hein. Ça m'a fait trop peur. Hein. Trop. Pourtant, j'ai des bêtes. Ah oui, c'est la carte que je voulais prendre. Alors, on est bientôt arrivé. Il y a encore quand même pas mal de chemin. On a fait à peu près la moitié là. Quand même, on a fait déjà pas mal. En vrai, la map est grande, mais pas grande. En fait, elle est moyenne à peu près en vrai. Oh, le pauvre Parasaur là. Il s'est fait, mais il va se faire démonter. Oh là là. Putain, les fights, il y en a partout ici. C'est la bagarre de partout, quoi, en fait. C'est n'importe quoi. Oh, il y a un petit Terry là. Niveau combien? 20. Ouais, il est éclataxe, toi. Oh, j'ai cru qu'il y a un raptor qui nous suivait. J'ai eu peur. Oh, il y a un Spino. Bah, toi, il ressemble carrément à celui où j'étame le. Ah non, il est rose celui-là. Oh, il est stylé. Oh, c'est niveau 12. Oh, encore un petit Terry niveau 4. Ah ouais. Ah oui, ici, c'est wesh. Ouais. Peut-être je prends le Spino. C'est bizarre, ouais, les âmes. Ils sont à moitié. L'eau, elle est bizarre. Bon, je sais pas pourquoi il y a un. Même ici. Ah ouais, il y a. Ah ouais, ok, bon, je me rappelle un peu. Mais il y a l'eau bizarre qu'on avait vu la dernière fois, là, qui est pas loin de notre base, là. Je sais pas du tout pourquoi l'eau est comme ça, mais ok. Wouah. Oh, bon, tu as lui, on va faire gaffe, là. Ouah, il vénère. Mais il y a genre y a un petit truc, là, comme ça. C'est carrément stylé. Ah ouais, genre là, une base. Bon, en vrai, je pense que c'est vraiment une mini base, mais en vrai, c'est carrément stylé. Bon, malgré que ça soit un peu trop dangereux, hein. On va pas se mentir, il y a un peu beaucoup de crocodiles ici. Oh, j'ai cru que c'était un T-Rex, j'ai eu peur. Wouah, même ici, c'est carrément. Wouah, avec la fontaine, là et tout. Wouah, mais mec, il y a trop d'endroits qui est en fait. C'est carrément d'art. Bon, c'est très dangereux. Je pense qu'il faut vraiment avoir un. De bons dinos et faire un bon lavage pour faire sa base ici, hein. Parce que sinon, ça sera un peu compliqué. On a que des marais, ça. C'est Marinesland ou quoi, le truc, là. Bon, après, c'est quand même un peu dedans à chaque fois. Donc, ouais, on va partir par là. Pour éviter de quand je fais dans la marée. Parce que si ça recommence à faire une dinguerie, ça me prend encore plus de temps. Donc, ouais. Là, on y va ligne droite, là. Comme ça. Tout droit. En plus, il y aura une autre montagne. Donc, on va peut-être pouvoir prendre un peu de quoi. Ah oui, un peu de métal. Tente, les gars. Je viens de me le dire, mais faut que je fasse cryopode. Ouais, enfin les pokéballs là. Bah oui, je suis un peu dans le caca, cryopode. Ouais, c'est ça, cryopode vide. Ah, j'ai même pas fait. Je vais prendre les deux, même ça. Est-ce que je peux en faire une comme ça? Oh là là là, je peux en faire une comme ça. Je peux en faire une dans un réplicateur tech, un thermi. Ouais, mais c'est impossible que je fasse ça. Mais en plus, j'en avais une en plus. J'en avais pas eu une de. Oh, je peux peut-être en avoir une, mais bon, c'est chaud, hein. C'est chaud du slip, hein. On va pas se mentir. En plus, ça coûte quoi? Pas regarder. Ça coûte, ouais, du polymère. Ok. Bon, enfin, je suis vraiment débile. J'aurais dû ça. J'avais carrément oublié que j'en avais une. Alors, pensez, les gars. Celle-là, je l'ai vue. Du coin de l'œil, il y a un petit truc là de note à prendre. On va le prendre direct. Exactement, je veux pas bugger. Oh, en plus, on a un petit texte. On va le lire, les gars, comme ça, ça fait un peu de lecture. Ça fait longtemps qu'on en a pas fait. En... Alors, cela ne m'a pas pris longtemps pour m'habituer aux armes de ce monde. Dont plusieurs sont nommés fusils. D'après l'un de mes lieutenants, elles sont de loin plus précises et mortelles que n'importe quel arc. Mais comme toutes les armes, elles ne sont efficaces qu'à la mesure de leur utilisateur. Dans les mains des pousses noires, c'est bizarre comme. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Dans la bataille, nous avons été capables d'appâter les pousses noires à attaquer une vague de bêtes résistantes, remplaçables avant de s'avancer sur eux avec notre force principale. Nos attaques centrées, alors que les leurs se dispersent, cela fait toute la différence. Gaius, Marcellus, Neva, Victoria, Père. Ok, c'est une petite partie de l'histoire du jeu, les gars. Hein. Bon, en fait, si je résume, ils ont eu des. Ils ont découvert les fusils, les armes à feu, et du coup, ils s'en servent contre les pousses. Ouais. Non, en fait, non, je pense que je suis bête. Non, je crois que c'est les pousses noires qui ont ces armes-là. Mais comme ils les trouvent un peu nuls, et bah, ils leur disent que c'est pas une grande menace. Et
et que bah en fait ils ont avec une armée de dinosaures, je sais pas trop quoi, assez résistante, et bah ça a pas fait grand chose même avec leur fusée et tout, donc bah ils sont bien. Bon, je cale pas ça dans l'histoire du jeu, je vois pas annoncer, mais non, mais il y en a encore une là. Mais les gars, c'est pas qu'opening de lecture ici en fait, enfin de notes du coup, enfin, qu'il y a encore une. Hélas, mes essais de curry réchauffant ne peuvent pas commencer immédiatement, car les volontaires ont un trajet beaucoup plus périlleux qu'au manoir Orquail que moi. Après tout, je ne pouvais pas simplement porter chacun d'entre eux sur Archimède. Certes, l'Argentavis pourrait les agripper dans ses serres, et j'ai toujours trouvé cette pratique barbare. Le reste de l'arche peut être en proie à la sauvagerie féodal, mais un homme de mon stade serve toujours sa classe et sa dignité. Quoi qu'il en soit, je dois demander à mes assistants de rénover les quartiers pour les inviter. Naturellement, je n'aurais jamais laissé des inconnus dans le manoir, mais il n'y a aucune... Ah, ok, c'est sympa ça. Je peux pas leur afficher. Ah non, ok, c'est très sympa. Bon, j'aurais voulu lire la fin, mais bon, le jeu n'a pas voulu. C'est pas grave, bon, c'est juste pour une histoire de, je sais pas, de curie. Pas trop compris, bon, c'est pas très grave. De toute façon, les gars, je pense que je ferai un épisode genre... Pour que tout le monde se situe un peu l'histoire du jeu, parce que quand même, il y a Arc 2 qui va sortir, et si on connaît pas l'histoire, parce que c'est quand même l'histoire de... Enfin, c'est la suite de l'histoire de Arc 1. Ça serait un peu débile. Bon, par contre, on va se poser. J'espère qu'il n'y a pas dingue. C'est bon, il n'y a pas dinguerie. On reste là. Mais comme je vous dis, ce serait quand même sympa qu'on fasse genre une petite vidéo et qu'on regarde une autre vidéo d'un mec qui parle de ça. Pour quand même se situer dans l'histoire, les gars. Ce serait un peu débile de ne pas savoir. Ah bon, ils vont me faire du dos. Ils vont pas me faire grand chose. Ok, les gars, on va repartir dans pas longtemps. Let's go, c'est parti. Parce que ça me saoule déjà les compis là. Avec le bruit qu'ils font. Alors, en plus, on arrive bientôt. Bien sûr, on va faire un petit room tour juste ici. Il y a un petit Argentavis là, niveau combien? 50. Ouais, ça va. Et pas ouf. Il y a encore une note. C'est vraiment un genre des notes, les gars. C'est abusé. Prendre la petite note. Là. Voilà. Ok, maintenant, on va pour relire. Non, il n'y a pas de truc à lire. Il y a le Electrophorus. Ah ouais, genre, c'est un serpent des mers électrique. Comme dans la vraie vie, mais en vraiment. Enfin, dans la vraie vie. Comme dans. Comme aujourd'hui, actuellement. Mais avant, c'était Carme. Waouh. En fait, c'est un ancêtre, quoi. En fait, ce qu'on a. Le serpent électrique qu'on a de nos jours, c'est vraiment l'ancêtre de ça. Enfin, non, du coup, ça, c'est l'ancêtre. Je suis débile. Mais ça, c'est ultra vénère. Imagine, on aurait encore eu ça. Ça, c'est une goum en 2-2. Alors, il y a un petit. Il y a une petite tourelle, on va dire. On va dire ça. C'est plus. Oh, il y a un T-Rex carrément stylé. Bon, on va voir en haut avant. Voilà, Obélisque. Voilà, je cherchais le mot. Oui, c'est Obélisque, les gars. Le nom du truc là qui va atterrir. On va attendre qu'il atterrisse parce que je peux pas l'ouvrir, je crois. Oh, il y a un petit temps. Oh, il est trop là. 96. 1. Mais les gars, j'hésite à le tab. Mais bon, c'est pas trop le but de. Bon, je pense qu'il va rester là parce qu'il y a pas beaucoup de dinos qui vont vouloir l'agresser. Hein. Mais ouais, c'est dommage. Ah, bon. Oh, il y a un Smilodon au niveau 8. Niveau 8. Niveau 112. Niveau 112. Mais les gars, le jeu veut que je tame. Je veux que je tame. C'est pas possible. C'est lequel qui est niveau 116? C'est celui-là là. Oh, mais les gars, j'ai pas envie. En plus, je crois même là-bas qu'il y en a des tigres. En vrai, ça serait bête. Peut-être sur le chemin du retour. En plus, c'est juste là-bas. Donc, nickel sur le chemin du retour. C'est nickel. Bon, par contre, faut peut-être que je prenne mon truc là-bas. Ça serait quand même cool d'avoir un petit cryo. Parce que non. Oh, les petits allers-retours. Voilà quoi. Putain, un petit Rex. Ça va être compliqué de le prendre avec l'argent à vie. Bon, peut-être si je fais un aller-retour et que je prends la cryopode. Voilà, c'est plus simple, mais bon, ça va être très très long, je vais vous le dire. Hein. Bon, j'espère avoir de la chance. C'est pas, je sais. Ah bah, revolver. En fait, je savais même pas, mais je peux savoir le truc qu'il y a dedans en avance. Bon, il y a un revolver, même si bon, c'est cool d'en avoir un, c'est un peu à rien. Bon, ça, c'est franchement cool. On peut savoir en avance qu'il y a dans les obélisques avec cette petite loupe. Je veux dire, lampe, pas du tout une lampe. C'est franchement cool. On arrive bientôt. Wesh, putain, mais ils sont tous pimpés là, les dinos en Argentavis là, tout en rose. Il est carrément stylé. On a pendant 1004 secondes de trucs. Ouais, mais là, le dino mec, il est boosté. Ok, il est boosté. Mon gars, il a gagné 20 niveaux. Alors, on va en mettre plein dans le poids. Ça serait bien d'en mettre dans la vitesse. On le dit pas assez, mais la vitesse, voilà, c'est quand même pas mal. Hein. Parce que les gars, quand on commence à aller vers les 200, j'ai déjà testé, hein, je me suis déjà amusé à mettre beaucoup et pas beaucoup. C'est franchement très très cool. Hein. Tu sens vraiment la diff. Là déjà, je sens vraiment la diff. Bon, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là parce que hein, si je m'arrête hein, et que j'ai plus d'énergie, que je me pose sur l'île, je peux dire que ça va barder. Hein. Peut-être que pour l'instant, vous voyez rien sur l'île. Mais quand vous allez voir l'île, je pense que vous allez comprendre. Je pense vraiment que vous allez comprendre. On arrive... enfin sur l'île, wouh, il y a des licornes. À quel moment il y a des licornes, même sur cette île? Il y a des licornes dans le jeu, mais les gars, je savais même pas. En plus, je peux la prendre. Attends, c'est trop d'art. J'ai carrément envie de la table. Elle est carrément stylée. Enfin, j'ai envie de tout table, les gars, aujourd'hui. Je sais pas du tout à quoi ça sert, donc on va la laisser parce que hein, je pense qu'elle va vite crever. Hein. Niveau 12, il est pas ouf. Hein. Il est pas ouf. Mais là, comme vous voyez, on a vraiment du lourd. Hein. On a vraiment du lourd.
Niveau 60, il est plus. Hein. Bon, il est pas très très beau, mais vraiment, il est pas mal. On va aller voir par là. Je pense que là-bas, on va peut-être toucher le pactole. Peut-être pas. Ah, voilà, on a les petits petits scorpions là, assez vénères. On va aller voir par là. Je sais pas du tout. On va... Oh, 44. C'est pas mal, hein, pour des pour un premier T-Rex. Hein. Forcément, après, il faudra en avoir des 100. Oh là là, les gars. Quand vous voyez ce genre de structure, c'est que ça sent pas bon pour vous. Parce que vous savez que vous allez devoir écouter ma magnifique lecture qu'on va prendre très rapidement. Il est où le truc? Quel est là? Ok, je l'ai pris. Ok, c'est bon, nickel. Alors, petite lecture? Non, pas de lecture. Bon, fait le petit... le corps humain. Enfin, pas le corps humain, le... Ah, le tube digestif et tout. C'est cool, mais bon, on s'en fiche un peu. Hein. On va se mentir. Ah oui, mais j'ai pas affiché ça. Ouais, touche limite de son laveur. Bon, on va pas tout lire, moi j'ai un peu la flemme. Ok. Bon, ça parle un peu de l'humain, mais on s'en fiche un peu. Voilà, tac, c'est ça, les gars. Bon, j'avais pas trop envie de me précipiter, j'ai surtout envie de tam, les gars. Voilà, il y a les petits smilodons là, qu'on avait vu, niveau 72. Bon, celui qui est niveau 112 en haut de la montagne, je pense que, hein, il est 96. Oh, alors là, mon gars. Alors là, lui, tu sais où tu sais, tu sais très bien que je vais le tam. Bon, j'espère qu'il y a un endroit pour se poser, pour l'attirer, genre là, voilà, c'est nickel. Oh là là, en plus, il va être carrément easy à tam là. Bon, j'espère qu'il va pas pouvoir monter. Les gars, on perd pas de temps. Let's go. En plus, je l'ai même pas bien visé. Donc, j'espère qu'il peut pas monter là. Ok, c'est nickel. Il peut pas monter le bug. Oh, par contre, mon shoot, il est incroyable. Oh, en plus, là, c'est trop bien. On va s'attorper et tout monter. Oh, ça va méga vite. Ah ouais. Oh là 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 là. Oh, le bug, il en a déjà marre. Après, il fait des tours sur lui-même. Ah, il se barre. T'es sérieux, toi? Encore, il y a un même là. Peut-être cru, mais peut-être pas abusé. Ah, mais il revient. Ah, mais c'est un filou, lui. C'est un filou à la compote. Ouais, bon, c'est pas ça. Je vous ai compris pourquoi je dis ça, mais on arrive. Sur. Ok, la Russie a monté sur la roche. C'était pas compris dans le contrat, mon ami. Se tenait. Ce n'était pas compris. Ça refait la même dinguerie. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Il allait refaire la même dinguerie. Oh non, il y a les T-Rex et tout. Oh le bordel. Oh le bordel. Oh non, mais non, mais l'agressez pas vous. Ça y a pas moins. Attends, tu vas voir si je peux prendre le Carnot. Faut vite que je vois si je peux pas prendre un Carnot. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Non, ouais, je peux pas, je peux pas. Oh là là. Faut que je les ramène tous vers là-bas. Salut, beau gosse. Eh ben non. Allez, attaquer lui. Bah, ils l'ont tué. Attends, là. T'es en train de me dire. T'es sérieusement en train de me dire que là, il vient de mourir. Genre, le Carnot que j'avais trouvé ultime, il vient de se faire, mais pulvérisé. Ok, les gars, je vraiment pas de... Je tilte pas, là. Il vient vraiment de se faire déchirer par deux T-Rex, là. Bah, Gotham, un T-Rex, en fait. Je vais tam que celui-là, parce que je sais que j'en trouverai des meilleurs, mais dinguerie. Dinguerie, les gars, là. C'est dinguerie, là. Il s'est fait soulever sa daronne. Non, mais les gars, arrêtez de faire des cris et arrêtez de vous barrer. Vous êtes des victimes ou quoi? Oh non, j'ai le bug de l'arc. Oh, les gars, faites pas les innocents. Voilà, hein. Il a failli mettre un coup de croc. Non, moi, je veux pas toi, je veux le 44. Faut pas essayer de l'avoir, lui, genre l'endormir. Et le tuer en même temps qu'il dort. En plus, le bug, ils arrivent à monter là, quoi. Ok, il est où le pélo là? Il est encore en train de se battre. Ah, mais j'ai encore le bug là. Oh là là, en plus, on a pas beaucoup de temps. Je sais pas s'il peut monter là. Non, ouais, il peut pas monter là. Hein. Il se fait agresser en même temps. Bon, j'ai encore le même bug. Oh non, c'est des génies maintenant. Ah, par contre, il a plus beaucoup de vie, frère. Il est niveau combien? 44 et ses victimes. Mais sérieux, là ah, il est perdu là. Ah, mon frérot, t'es perdu. Ok, on va vite se barrer. Normalement, là, il peut pas venir, j'espère. C'est bon, ça c'est plutôt bien. Hein, tu vas faire quoi, mon gros? Tu peux pas faire grand chose là. On peut éviter quand même, on sait jamais. Mais frère, mais attends, j'ai mon shoot, il est éclataxe, hein. Ouah, pente, elle, les flèches qu'il faut. Je pense qu'il va falloir bientôt opter pour un fusil, hein. Ça commence à être compliqué, hein. Doucement, le bug. Doucement, mon bézo. Il est presque à chaque fois, hein. Douce. Mais frère, il se barre le bout, là. Elle revient là. Maintenant, c'est lui aussi, là. Ça va, il y a personne là. Ah, encore le même bug. Oh, mon gars, là, il va gagner tellement de torpeur. En plus, il bouge pas, c'est nickel. Oh, alors là, mon gars, t'as jamais vu ça d'aussi facile, hein. Enfin, quelque chose aussi facile. Bon, je suis prêt de le tuer, en fait, là. Mais en fait, il va carrément crever. J'espère l'avoir avant qu'il crève, quoi. Parce que là, mon gars, il est en bout de vie, là. Il est en bout de life, le frérot, là. Il sait même pas où aller, en plus, hein. J'espère que je vais l'avoir avant. Oh, ouais, mais là, il va crever, là. Oh, à ponte, les... Hey, il en tire une dernière, mon gars. Wow. Bézo, en plus j'ai touché. On va pas le toucher plus parce que vu la vie qu'il a, mon gars. Ah, mais en plus, s'il en manque plus qu'une, hein, mais ok. S'il en manque plus qu'une, on va pas faire les gentils, quoi. Hein. Ah, bah il dort, ok. Bon, mon poteau, c'est à moi. C'est Caton. Il y a ton pote. J'espère qu'il va pas venir nous faire. Qui va crever, j'espère, pour pouvoir l'avoir. Hein. Ça va, il a 2000 de vie en vrai. C'est large, mon gars, c'est large. Regarde, il arrive même pas à m'avoir le bug. Oh, le noob. Oh, le noob. Voilà, mon gars. Voilà, mon gars. Oh là là. Les gars, c'est la première fois que je fais un T-Rex. Je l'ai atomisé. Vraiment, mon phénix, c'est vraiment le meilleur, hein. C'est une dinguerie. J'ai jamais vu ça, je l'ai explosé. Vraiment, bon, faut vraiment que je range ça, parce que si je lui mets un coup, il crève. On va peut-être éviter s'il est max turper là. Oh là là. En plus, je peux même lui mettre un peu de viande, en vrai. Lui mettre un peu de viande pour le halas. En vrai, il y a deux, je vois pas que... Ah non, faut qu'il ait 9, ok. Du coup, ouais, bah, c'est un pour moi. Je vais mettre ça. Très bien que tu manges, hein, parce que là, il a toujours rien pour l'instant. On va vérifier la zone, hein. On va prendre... Bah non, pas lui prendre son caca, hein. Bah si, en fait, on va le prendre. Qu'est-ce que je dis, moi?
Bien le caca, je rigole, c'est pour le compost. On va commencer à avoir faim là, ça va bientôt être le moment où il va pouvoir grailler pour voir s'il va falloir... Parce que oui, j'ai mis pas pris de baie en fait, je suis un peu bête dans mon cerveau moi. Pour l'instant il y a ça, mais bon, c'est pas non plus la folie hein, parce qu'on en fois 2 les gars, c'est pas non plus incroyable hein. Voilà, 3 narcoberries, voilà. Je peux lui mettre des flèches, mais le problème c'est que, bah, j'ai regardé ça en wiki, si je mets des flèches, bah, leur niveau d'efficacité, il... Frère, il en a mangé une. Oh. Ah ok, non mais ok, en fait j'ai carrément un lit. En fait je l'ai déjà tamé là, mon pont. Le problème c'est que je vais devoir faire l'aller-retour. Faudrait peut-être lui trouver un pote, tu vois, où il ne meurt pas. Ce serait un peu bête. Ce serait franchement très bête. Et qui récupère très vite de la vie. Aussi en plus il va gagner 21 niveaux, donc ça c'est pas mal. Il va être niveau 60. C'est des pas de conneries. Allez, plus qu'une dernière fois mon petit loup. Et tu es enfin à ma possession. J'ai pas de set de Cyrex pour l'instant. Ouais, ça doit être vers la fin. Hein. Celle de. Ah ouais. En plus ça coûte pas cher hein. Ah ouais, j'aurais carrément dû la faire avant. Je savais pas que je l'ai tamé. C'est vrai que j'ai rien fait, mais... Ah, mais quand même, hein. Eh, c'était facile de t'intéresser. Bon, après, ça va, j'ai mis le multiplicateur d'apprivoisement, j'ai quand même mis pas mal haut. Ouais, c'est pas mal. Je vais faire un petit room tour pour éviter qu'il crève, hein. Se mettre en hauteur comme ça, on a... Là, il reste plus rien. Bon, il y a les deux Argentavistes, un peu peur, là. Il y a un autre Argentaviste là-bas. Il y a peut-être un autre truc à avoir, hein, qui serait pas mal. Les autres Carnot, ils sont vraiment pas au 4. J'ai pas tout à fait, carrément. Pas se mentir, il s'est fait un peu goumed, hein. Raptor Alpha. Ok, on va aller par là, hein. Raptor Alpha, voilà. C'est pas du caca de cheval, hein. Bon, mon petit loup, hein, il serait temps de manger, je fais un petit croc là, yam. Et voilà, ça c'est sympa, on va l'appeler voilà, c'est un peu mignon quand même, ça sert un peu à rien, ouais, bon, on va laisser comme ça, bon, en plus, il regagne toute sa vie, je savais même pas ça, c'est trop bien ça, c'est nickel, ces rugissements là, oh là 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 là, comment c'est stylé, oh, aussi, je crois qu'on avait eu pas mal de noms aussi, il faut peut-être que je renomme des dinos, je sais même plus si j'ai renommé, bon, je verrai ça après, mais je crois qu'on m'a donné des autres, pas sûr, c'est même plus les gars, mais je crois qu'il y a des noms à mettre sur les dinos, donc on verra ça, je pense, à la fin de l'épisode. Alors lui, on va le laisser là, ok les gars, on va aller chercher cette petite cryopode, alors par contre, le beau gosse, tu ne bouges pas, voilà, merde, ok, let's go à la base, ok les gars, je suis enfin arrivé avec ma cryopode qui était cachée sur mon... Et Castor quand même, je sais pas pourquoi elle était là, mais ok, on a enfin la cryopode, alors pas là. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de l'avoir, c'est comme une Pokéball, c'est exactement la même chose. Tu peux mettre ton dino dedans les gars, c'est vraiment trop utile, c'est incroyable d'avoir ça. Oh là là, regardez-moi ça, dans la boîte. Alors j'ai mis ce clic, on a le petit Telex in the box. On va bien sûr le ramener, et les gars, on va bien sûr ne pas oublier le petit Milodon. C'est aller-retour encore une fois, je sais ça va faire beaucoup de coupures, mais écoutez, c'est beaucoup de TAM, et ça va être vraiment très utile après d'avoir beaucoup de TAM, d'avoir beaucoup de dinos. Ouais, c'est cool. Oh là là, c'est mal le petit Titi qui est là. Alors du coup, en même temps, on va pouvoir voir... surnoms les gars, en même temps qu'on est là, alors Speedy, bah bien sûr, sinon Phoenix, Terry, je crois que j'avais des noms, donc c'est pour ça que je vais vous regarder les noms que j'ai eu. Bon, pour Sarko, j'ai pas eu beaucoup de noms, à part Sarkozy, ouais, on va le payer Sarkozy, hein, on va quand même mettre les noms des autres, bon, c'est pas le nom le plus stylé, mais écoutez, on a tous un background dans la vie, donc on va l'appeler Sarkozy, les gars, ouais, faudrait quand même bien le mettre, voilà, Théma, mon gars, ça, c'est Sarkozy, bon, t'es plus présent. Mais on s'en branle. Alors du coup, bon, bien sûr, j'espère que vous allez donner un petit nom à mon petit T-Rex. Il y a Oxy, bah oui, il parle français. Casse-tête, il a déjà un magnifique nom, hein. Qui a d'autres? Ah oui, il y a le petit la petite pierre là. Moi je l'ai déjà appelé, c'est Nocab. En fait, il y avait que notre petit crocodile qui s'appelle. Mais si on va repartir, on a encore la petite cryopode. Donc normalement, bah je peux peut-être prendre le spinner en même temps. Donc ouais, ça serait nickel. Bah en fait, ouais, bah de toute façon j'ai mon truc, donc ouais, ça va aller beaucoup vite. On va bien sûr aller chercher le petit Smilodon, les gars. Pour finir l'étam d'aujourd'hui, les gars. Ok, let's go. Je suis de retour ici. On a les ankylos. Il y en a un 96 quand même, mais nous on va chercher les Milodons. Alors, oh, il y en a encore un là, pas celui que je veux. Oh, il y en a un d'autre en bas là, niveau 20, mais c'est pas celui que je veux. Ah, si, c'est niveau 112, c'est le beau gosse de la street. Alors, j'ai pas la grosse boule comme ça. Lui, on va pouvoir le. Mon Ross, tu descends de la montagne comme ça, toi. Non, mais ok, ok, les frérots, ils se. Oui, détends-toi, toi. Il m'a fait trop peur, hein. On va se mettre juste là, en plus, on a encore. Corps, vase. Oui, par contre, frérot, voilà quoi. Peut-être éviter parce que le niveau va te détendre. On va essayer d'aller à un endroit où tu ne peux pas accéder. Ah, il est là. Ah, il est bloqué. Il n'est pas bloqué. Il n'est pas du tout bloqué, mais comme ça, là, il est bloqué. Non, il est pas bloqué. Non, mais frérot, mais attends, c'est des génies, frère. Ils font des retournées, mon gars. Ah, j'ai jamais vu ça. J'essaie de mettre genre. C'est compliqué un peu. Là, il y a tout qui est en pente et tout. Il n'y a pas grand chose vraiment de haut. C'est la commande torpeur. Ouais, ça va, on va le faire. J'en ai pas mal des flèches. Ouais, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais écoute, on va voir ça après. Ça m'a fait trop peur le truc, genre bizarre là. Ok, on va se mettre juste.
est-ce que là peut venir? Oui, peut venir, effectivement. Les frères, ils montent. Ouais. Eh, mon gars, mais détente. On va lui faire la technique secrète. Oh, faut qu'il se détende. Jamais réussir à l'avoir sinon. Oh là, petit caca sur toi. Bon, là, c'est un peu compliqué. On va le mettre tout en bas contre un rocher. Bon, je perds masse de vie, frérot. Tu vas un peu te détendre. On va le poser juste là. Pas grand chose, hein. Fait un peu peur là. T'es par là en fait. Ouais, c'est pas non plus ouf. On va le reprendre. Et on va se dépêcher d'aller là-bas. Parce que là-bas, c'est bon. C'est pas non plus très safe, hein. Quand même le truc là-bas. Allez, vite, 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 vite. Que là, mon. Enfin, mon. Qu'est-ce que j'ai dit? Mon argent à vis, il prend très très cher quand même là. Hein. Allez, go, 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 go. Allez, ciao. Là, mon gars. Tu vas pas. Je vois même plus. Il est là, let's go. Il sait même pas grimper. Ça, mais frère, il fait des allers-retours là. Voilà, là, t'es bien. Non, mais arrête de bouger. Reviens là. Mais frère, il est pas poussé. En plus, t'es touché. Genre, reviens là. Voilà. Ça t'es bien. Voilà. Ça c'est bien ça. C'est simple. Voilà. Là c'est nickel mon gars. Là t'es dans mon périmètre ça. Sa tête barre pas encore. Déjà. Reviens. T'as un fou toi. Reviens là, Bézo. Ok. Ça va, je le démonte en vrai. Niveau 4. Oh, mais ça top, c'est les bizarres. Par contre, le T-Rex, tu vas éviter, frérot. Toi, tu voles pas ma bouffe, toi. Ah, tu veux recommencer, tu veux rejouer. On va peut-être éviter en fait. Comment que toi, Bézo, que tu reviennes. Que je te mette juste là là. Voilà. Ça. Il a vouloir m'agresser. Ah, je vais éviter de monter trop haut. Hein, parce que là, c'est un peu de l'abus. Hein. Là, il m'a fait peur là. Voilà. Mon gars, t'es bien là. Ouais, mais c'est lui, il me fait trop peur là. Bizarre lui. Ok. Putain, mais il se rebarre en plus. Il abuse. Reviens là, voyou. T'es un fou lui. Je vais mettre là. Tac, il est là. T'es un fou toi. T'es un fou dans la tête. Voilà, bon là, je reprends. Enfin, je change parce que là, faut vraiment que je le mette beaucoup. Donc, perds pas de temps. Mets des flèches. Frérot, il fait des allers-retours là. Oh là, en plus, je l'ai touché. Noob, noobie. Ok. Frérot, j'ai bientôt à voir. Pas lui. On a attaqué, mais il est sérieux. On va l'agresser comme ça en vrai. Hein. Il est réel, il me snoue tellement là. S'il est bloqué. Non, mais regarde-le. Oh le con. Il est bloqué dans l'arbre. Mon gars, t'es tout à moi là. Peut-être éviter quand même. On sait jamais s'il peut se débloquer. Oh là là, mais c'est tellement free. Oh là là, bah mon pauvre, plus rien faire. Pour tout, ouais. Oh, en plus, niveau 100, mon frérot. On va peut-être pas. Oh, en plus, on a deux. Ok, on va se détruire 96 l'autre. C'est un peu le danger là. C'est un peu le danger. Je sais ce qu'on va faire. Le Bézo, j'arrive même pas à le prendre. On va tous les ramener par là. On va tous les ramener par là. Allez, venez là. Venez là. Venez là, mes petits bibes. Allez, let's go. Regardez qui attend. C'est papa. C'est papa qui vous attend. Voilà, c'est parti. Moi, je me barre pour revoir le petit Similodon qui est bloqué dans un arbre. À moins 300 cuits le mec. 302. Il vaut combien là? 12. Ouais, c'est que l'attaque. Oh, mais il a réussi à se libérer. Il est là. Il est là, ce frère. Ça va faire le fou. Regarde. Hein. C'est une victime, hein. T'as peur de me réattaquer, hein. Je pouvais pas tirer. Je pouvais pas tirer. T'as de la chance. Reviens là. Un fou. Voilà. Bon, c'est un peu bugué, mais c'est pas grave. On va la voir. Allez, dors. Voilà. C'est ça, mon Bézo. Allez, un peu de vente comme ça. Te récompense. Et voilà. Un autre dino dans la poche. Ça, c'est nickel, les gars. On va pouvoir avoir un deuxième dino. Ouais, c'est vraiment cool. Là, dans l'épisode, on tame deux dinos et bien sûr deux nouveaux dinos. C'est franchement très très cool. On va bien sûr les tester, les gars. Après, très vraiment cool de les tester. Ça, regarde. Mince, merde, j'ai pas dû faire ça. Pompé touche pour m'accroupir. Regardez-moi cette tête là. Il est pas trop mignon là. Grosse dent qui dépasse carrément son corps. Ouais, il est totalement logino. Niveau 112, mon gars, lui, il va envoyer du lourd. Je le sens. Il va les atomiser, les gars. Oh là là, j'ai hâte de le tester. Peut-être qu'il peut faire des bons et tout. Je sais pas, genre, il était tout. En vrai, j'ai hâte de le tester. J'espère qu'il va être tam assez vite, les gars. Donc, pour vous éviter de vous faire patienter, hein. Je vous reprends encore, bien sûr, quand j'ai fini le tam, les gars. Ok, les gars, on a réussi à le tam. Bon, j'ai pas trop de noms, donc on va l'appeler rapido. Parce que normalement, il devrait courir assez vite. Pente, on va lui enlever sur. On va bien sûr lui enlever le. Alors, j'ai pas. Voilà, nickel. On va prendre la pio. Let's go. Bim, s'il te plaît. Bim, voilà, let's go. On lui prend le gras. Et pente, je crois que j'en ai pas mis au T-Rex. Donc, ouais, il faudrait peut-être en mettre. Bon, les gars, je reprends bien sûr quand j'ai fait les deux. Celle pour les deux dinos. Et pour bien sûr le test des deux dinos, les gars. Oh là là, regardez-moi ces deux bestiaux. On va enlever le petit truc comme ça là. Oh là là, ils sont magnifiques. T'es mort. Oh là là, lui, il est magnifique là avec sa couleur bleue. Le petit smélodon qu'on va commencer à tester tout de suite. Que je viens sur un numéro rapide. Où est-ce qu'il est rapide? Ça va en vrai. Il est quand même assez rapide hein, pour un début. Mais en vrai, c'est pas non plus incroyable. J'ai hâte de le tester sur des petites proies. Je pense que sur des petites proies, il doit les dévorer, mon gars. J'aime pas, ça nage pas du tout vite. On va aller par là-bas pour le tester. Bon, après, le T-Rex, les gars. C'est le fameux taux. C'est le fameux T-Rex, bien sûr. Donc, on va pas non plus découvrir grand-chose. Est-ce qu'il saute? Ah ouais, il fait des ponts, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. En vrai, quand tu sautes d'un rocher ou un truc comme ça, en vrai, c'est pas mal, hein. Tu sais qu'en haut, là, il y a des bonnes proies à voir. Je sais pas s'il a des touches spéciales, là, avec les trucs et tout. Il a juste
l'air d'avoir un clic. Let's bim, let's go, c'est parti. Il fait du 51. Bon, il attaque très très vite. Ok, on va l'avoir. Et voilà, let's go. Il a mon gars, mais dévoré. On va tester sur le petit, je sais plus quoi le nom. Mon gars, il va tellement vite que lui, je peux le graille quand je veux. S'il est bloqué niveau 120, ah ouais, il a quand même beaucoup de vie lui. On pourrait peut-être le laisser. Bon, le petit dodo. Voilà, c'est un petit goûter. Et les petits compis, c'est aussi le petit goûter. Bon, ça va, on a fait vite fait le tour. En vrai, il est vraiment pas mal. Il est très stylé avec les petites rayures là en mode zébré et tout. Il est carrément badass. On va faire des bons, mon gars. Wesh. Oh mon gars, oh je sais ce que je vais faire. Oh le bon d'un mouerté. Oh, vous savez tout ce que je vais faire. On va aller là, prendre le rocher là déjà. On va prendre l'autre rocher là. Oh là là, et là, let's go. Ah, il pense prendre les dégâts de chute. Faut peut-être éviter de sauter trop. Oh là là, en vrai, c'est une dinguerie ce smilodon. Mais moi, les gars, ce que j'ai envie de tester, c'est El Famoso T-Rex, que j'ai renommé Titi. Hein. Bon, j'ai pas trop d'inspi, les gars. Bon, bien sûr, on va lui mettre des points dans l'attaque. Parce que c'est un BG. Regardez-moi ça là. Avec son rugissement. Bon, celui-là, on s'attend pas à un truc non plus nul. Hein. On sait très bien qu'il va tout défoncer, lui. On va aller chercher un gros bestiau, les gars, je pense. En plus, là, oh là 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 là. Oh, regardez-moi ce rugissement. Comment il est ultra meilleur. Bon, je sais pas pourquoi je passe par là. Parce qu'on devrait peut-être aller de l'autre côté, genre pour trouver un terrier ou un truc comme ça. Ça serait franchement cool. Oh là là, en bleu en plus, il est carrément stylé. Il a un flow, mon gars, mais imbattable. Putain, mais attends, quoi, il est niveau. Ah non, il parle de moi. Ah, j'ai gagné deux niveaux. Bon, ça, je le ferai après. On va passer par la pente. Il a pas beaucoup d'énergie, ça c'est pas ouf, hein, pas du tout, parce que chaque fois faut attendre, ça va, hein, il nage même pas, tu vois, tellement il est grand. Bon, le problème c'est que les piranhas, ils peuvent m'attaquer gratuitement, même si, bon, ils font pas beaucoup de dégâts, hein. On va pas se mentir, genre là, tu vois, le petit parazor là-bas, lui, il va se faire croquer, mon gars, il va se faire croquer, mon gars. Ouais, je lui tâte un peu le terrain, là, je dis un peu à tous les autres que je suis là, quoi, je leur dis un peu qu'ils vont se faire niquer. Bon, il a l'air un peu de s'en ficher, donc, hein. C'est parti, mon petit dino. On va commencer par les deux pélos qui se battent, là. Bonjour. Comment ça va? Ah, 149. Ah ouais, c'est beaucoup, quand même, hein. Ah ouais, en fait, c'est pas des lol, là. Hein. Oh, le petit parazor, là. En mode black, là. Qui est luisant, mon gars. Encore plus de dégâts. Oh, je l'ai mangé, mon gars, mais comme un petit goûter, hein. Oh là là, bon, pense il a vraiment pas beaucoup d'énergie. Mince, gagne. C'est pas grave. On va l'en mettre dans l'énergie parce qu'il fait vraiment énormément de dégâts, mais il a pas beaucoup. Pense lui, il est en train de me fake, là. Alors là, mon gars, si tu te poses, toi. Alors là, mon gars, c'est finito pour toi. C'est finito pour toi. C'est finito. Attends, mais là, il s'est pris deux coups, là. Attends, il doit avoir un niveau de bâtard. 92. Wesh. Mon gars, il s'est pris deux crocs T-Rex. Il a rien eu, le bug. Oh là là. Eh, la dinguerie. Bon, bien sûr, je les augmenterai en hors caméra. Ils aient vraiment des bons niveaux. Bon, en vrai, on aura fait le tour, les gars, je pense. Je pense que, du coup, on va s'arrêter là, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars, parce que vraiment, on a pris énormément de temps à la faire. Enfin, à la montée, du coup, parce que, hein, les gars, enfin, tous les allers-retours, surtout quand je suis mort et que je suis remort, je dois faire des allers-retours. C'est vraiment n'importe quoi, et faire les allers-retours avec les cryopodes. C'est vraiment très, très long, les gars. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à bien sûr vous abonner et à activer la cloche des notifications pour savoir la sortie de mes prochaines vidéos. Et moi, les gars, à plus dans le bus, ma bande de T-Rex. Ciao!